Altesse Royale. Altesse Royale. Herr Chambrespräsident, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, c'est aujourd'hui une journée particulière dans une situation exceptionnelle, l'anniversaire de notre Grand-Duc et aussi notre fête nationale. Une journée que nous avons l'habitude de célébrer tous ensemble pour fêter en commun notre indépendance, notre nation, notre société ouverte et aussi notre liberté. Or, cette année, les conditions se présentent d'une autre manière. Aujourd'hui, nous devons en effet renoncer à tout ce à quoi nous étions habitués, à nos traditions, à une retraite aux chandelles, un feu d'artifice, une série civile, une parade militaire, un tédéum, une cérémonie où tout le monde a pu fêter ensemble jusqu'ici. Nous vivons actuellement, dans l'histoire du Luxembourg, un moment jamais encore connu jusqu'ici. Fin mars, notre vie au quotidien a été bouleversée et le gouvernement s'est vu contraint de prendre des mesures qui ont profondément entravé la vie de tout un chacun. Nous sommes tous parfaitement conscients que la population à Luxembourg, à l'instar de ce qui s'est passé dans une multitude d'autres pays, a été mise à rude épreuve. Les libertés fondamentales de tout le monde ont été limitées. Ont dû être limités dans la lutte contre un virus qui, en de nombreux endroits dans ce monde et également tout près de chez nous, a été la source de grands malheurs. Ces décisions n'ont pas été prises à la légère, mais elles étaient impératives et correctes, comme nous le savons aujourd'hui. Il était impossible de prévoir la réaction des citoyens à ces nouvelles règles, la manière dont la société pouvait effectivement changer et son comportement, et aussi l'impact de la propagation du virus. Aujourd'hui, nous savons que l'acceptation a été très grande, que la discipline a été très grande et surtout la solidarité dans notre pays. On a pu constater une énorme solidarité nationale avec les personnes les plus vulnérables, susceptibles de développer une grave maladie suite au virus ou qui auraient peu de chances de survivre à une infection. Nous avons réussi à éviter des situations où notre système sanitaire aurait pu s'effondrer. C'était le mérite de tous ceux qui vivent et qui habitent ou qui travaillent aussi à Luxembourg. Et c'est grâce à l'acceptation et à la discipline de tout un chacun que nous avons pu en commun combattre le virus et en limiter largement la propagation. Je ressens un énorme respect face aux citoyens de notre pays et face à tous ceux qui viennent chez nous tous les jours pour y travailler au Luxembourg. Je suis fier de ce que nous avons réussi tous ensemble. Même si nous n'avons pas de cérémonie traditionnelle cette année pour honorer les personnes qui se sont distinguées par un mérite particulier, je voudrais quand même souligner qu'il y a un nombre impressionnant de telles personnes méritantes. Je pense à tous ceux qui ont contribué au fonctionnement de notre pays à un moment particulièrement compliqué, tous les bénévoles qui se sont occupés des concitoyens vulnérables, les bénévoles dans les centres de soins, le personnel du secteur de la santé, mais aussi tous ceux qui ont apporté leur aide aux moments les plus difficiles, avec aussi des milliers de frontaliers qui sont venus travailler au Luxembourg tous les jours dans des conditions parfois très pénibles, et je voudrais aussi les remercier de tout cœur. Et sera toujours un pays ouvert. Notre richesse culturelle, notre force, notre prospérité, notre passé et notre futur sont étroitement liés au fait que le Luxembourg unit les différentes nationalités, cultures et langues. Nous en sommes fiers et reconnaissants. Et que ouf,
Il y a eu et il y a actuellement des personnes qui ont été particulièrement touchées, des personnes qui ont gravement souffert des mesures, qui ont eu des craintes ou qui ont toujours de telles craintes pour leur avenir, qui craignent pour leur existence. Il y a eu des blessures et des dommages qu'on ne pourra pas guérir du jour au lendemain. Il faudra pour cela beaucoup de temps et il faudra aussi la suite de la solidarité que nous avons vécue durant les dernières semaines. Je suis confiant que nous allons réussir au cours des mois et des années à venir à surmonter la crise et la crise qui se profile au lendemain de ce que nous venons de vivre. Altesse Royale, chers concitoyens, le terme « liberté » a acquis en cette période une nouvelle signification et nous savons tous maintenant quelle est l'importance que nous attachons à la liberté et à quel point il nous a paru évident qu'on puisse vivre en toute liberté et en toute indépendance. Cela n'a pas toujours été le cas. Et si nous sommes aujourd'hui devant le Monument national de la solidarité, c'est aussi pour nous rappeler que nous jouissons de cette liberté depuis 75 ans. Ceci grâce à des personnes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont battues pour cette liberté. Nous sommes une nation, un pays, et nous faisons partie de l'Union européenne. Nous sommes partenaires dans une communauté qui se distingue par des valeurs que nous continuerons à défendre et pour lesquelles nous sommes toujours prêts à nous engager, avec la solidarité, de même que le respect mutuel, mais également la liberté de vivre la vie qu'on souhaite, d'habiter, de travailler, de voyager là où on l'a décidé, et aussi de pouvoir s'exprimer librement, dire ce qu'on veut dire. Les fondements de notre démocratie et de l'Union européenne doivent être défendus parce que tous les acquis sont garantis aussi longtemps qu'il n'y a pas une mise en péril. L'Union européenne se verra confrontée les mois et les années à venir à des défis majeurs. Il s'agira de se soutenir réciproquement et en même temps faire entendre sa voix sur le plan international et contribuer en tant que communauté d'État à préserver la paix dans le monde et à éviter les conflits par tous les moyens. Je suis persuadé que l'Union européenne est suffisamment forte pour y parvenir, tout comme je fais confiance à notre propre force et à notre caractère et notre volonté. Nous vivons dans une période exceptionnelle et nous avons beaucoup appris ces derniers mois. Il ne faut pas tout oublier et essayer de retenir les aspects positifs. Je nous souhaite à nous tous une bonne fête nationale et permettez-moi, Monseigneur, d'avoir une pensée particulière pour le petit prince Charles qui a fait notre bonheur avec ses parents, donc notre grand-duc héritier. Au nom du gouvernement, Monseigneur, et en mon nom personnel, je voudrais aussi exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce que nous avons réussi à faire au cours des derniers mois. Vive le Grand-Duc, vive la famille grand-ducale, vive le Luxembourg. Monseigneur, Monsieur le Premier ministre, Excellence, chères concitoyennes et chers concitoyens, notre fête nationale se ressemble d'année en année et pourtant elle est différente chaque année. Mais qui aurait pu imaginer qu'un jour elle serait aussi différente qu'elle ne l'est aujourd'hui? Nous nous trouvons aujourd'hui devant le Monument national de la solidarité et c'est un symbole fort cette année. Nous fêtons plutôt dans le recueillement auprès du monument qui rappelle les victimes de la Seconde Guerre mondiale ainsi que la résistance et la solidarité du peuple luxembourgeois
contre l'occupation des nazis. Le Grand-Duché a été lourdement touché par la Seconde Guerre mondiale, mais le peuple ne s'est pas laissé accabler. Et nous le devons, entre autres, à une vertu typiquement luxembourgeoise, la capacité de faire preuve de solidarité. Sans la grande solidarité parmi les habitants, il n'aurait pas été possible de surmonter cette époque difficile de la guerre. Le 8 mai, nous avons fêté les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons pensé à quel point les gens étaient soulagés à l'époque lorsqu'ils pouvaient de nouveau vivre en paix, liberté et en démocratie. Et ce sont ces mêmes valeurs qui ont conduit à une Europe unie. Pour les générations de l'après-guerre, une vie paisible et démocratique en liberté est devenue une normalité. L'histoire nous enseigne beaucoup et ces derniers mois, nous avons pris conscience que la vie en liberté n'est pas une évidence. Un virus dangereux s'est abattu sur notre société et a changé le monde du jour au lendemain. Nous nous sommes unis dans la lutte contre un ennemi invisible. En gardant la distance nécessaire, nous avons fait front au virus en faisant preuve de solidarité. Cette solidarité a été synonyme du respect d'un certain nombre de règles et a impliqué une limitation des libertés individuelles. Un grand merci pour l'énorme discipline dans le respect des règles. C'était exemplaire. Les grands efforts et sacrifices des derniers mois nous ont permis de contenir le virus. Cette solidarité signifie aussi d'être là les uns pour les autres, une solidarité entre générations, entre voisins, entre amis, entre personnes qui souvent ne se sont même pas connues. La solidarité du peuple luxembourgeois vaut pour tout un chacun. Même si nous vivons dans un petit pays, c'est une preuve de grandeur. Mais nous devons continuer non seulement à être prudents, mais aussi à faire tous les efforts nécessaires pour que personne ne soit laissé pour compte. La solidarité est existentielle hier, aujourd'hui et aussi demain. Tous ceux qui ont contribué à protéger la santé de nos concitoyens et qui en souffrent maintenant de problèmes économiques et psychiques ont besoin de notre soutien. À l'occasion de cette fête nationale 2020, tous ceux qui ont aidé se trouvent au centre de nos activités, sont à l'honneur en quelque sorte. Nous leur devons notre grande gratitude. Nous remercions tout particulièrement ceux qui ont combattu le COVID-19 en première ligne, les médecins et le personnel soignant du Luxembourg et de la Grande Région, et tous ceux qui sont restés à leur poste pendant le confinement. Parmi les valeurs communes de notre société figure l'engagement bénévole, et pour cela, nous remercions tous ceux qui ont apporté leur aide volontaire et bénévole. La crise du corona nous a laissé beaucoup de misère, mais elle a aussi montré beaucoup d'humanité, de créativité et d'espoir. Vous aussi, Monseigneur, avec la Grande-Duchesse, vous avez pensé à nos concitoyens en cette période difficile. Vous avez aussi trouvé les mots justes pour vous adresser aux différentes forces vives et aux organisations professionnelles pour qu'elles restent soudées et ne baissent pas les bras. En cette période de crise, vous nous avez apporté plus d'une lueur d'espoir. La plus belle était certainement l'annonce de la naissance du prince Charles, grâce à qui la continuité de notre monarchie est assurée. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, l'état de crise touche à sa fin constitutionnelle. Mais l'emprise de la crise du COVID-19 nous a toujours fermement en main et pour cette raison,
une solidarité européenne s'impose aussi. Le virus a aussi attaqué l'Union européenne. Au début de cette épidémie, certains pays ont pris des décisions politiques à la hâte qui n'étaient pas bonnes pour l'Union. Nous aimerions récupérer notre Europe de Schengen sans frontières. Il nous faut plus d'Europe. Notre espoir repose sur le Green Deal, un White Deal pour le secteur sanitaire et social, et avant tout, la préservation de nos libertés et droits fondamentaux européens. Une telle crise constitue un défi pour chaque démocratie. Je suis heureux qu'au Luxembourg, nous ayons réussi, aussi en politique, à rester solidaires sans que, au Parlement, l'indispensable esprit critique ne se soit perdu. Tous les députés, mais aussi tous les citoyens, ont pu à tout moment s'exprimer librement. Et c'est aussi, dans une situation de crise, une obligation. C'est aussi un baromètre de la qualité de notre démocratie. Tôt ou tard, la crise du COVID-19 sera un chapitre de l'histoire. Pour l'instant, on continue à en écrire les pages et nous devons tous apprendre à vivre avec le virus. La responsabilité individuelle est le facteur le plus important à cet égard et nous avons tous une responsabilité face à cette flamme éternelle auprès de laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Elle existe parce que nous ne voulons jamais oublier. Elle existe parce que nous voulons toujours nous souvenir. C'est une petite flamme. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'elle ne s'éteigne jamais, tout comme la flamme de notre démocratie. Voilà, en fait, notre responsabilité commune, la solidarité et l'engagement dont le peuple luxembourgeois et tous ceux qui vivent et travaillent dans ce pays ont fait preuve ces derniers mois, renforcent ma conviction que cette petite flamme brûlera éternellement. Ensemble, nous sommes forts à Luxembourg et en Europe. Vive le Grand-Duc, vive le Grand-Duc héritier, vive le Prince Charles, vive la famille grand-ducale, vive le Luxembourg et vive l'Europe. Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Premier ministre, Excellences, chers compatriotes, aujourd'hui, en ce jour de la fête nationale, nous nous retrouvons devant le Monument national de la solidarité luxembourgeoise, aussi pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale il y a 75 ans. Nous n'avons rien oublié de ces sombres années, ni l'idéologie néfaste du nazisme qui a mené une grande partie de l'humanité à la catastrophe, ni les nombreuses victimes aussi au Luxembourg, ni le courage et la résistance des Luxembourgeois. Nous n'avons pas oublié non plus la volonté des générations de l'époque de reconstruire un grand-duché libre et indépendant. Non, nous ne vous oublierons jamais. Chers concitoyens, lorsque la pandémie COVID-19 a frappé le pays il y a 3 mois, une question cruciale s'est posée. Comment allons-nous agir? Comment protéger la population face à ce nouveau virus? Un virus dont on savait seulement qu'il était extrêmement contagieux, qu'il pouvait rendre les gens gravement malades, et qu'il allait probablement engendrer un haut taux de mortalité. Aujourd'hui, nous en savons plus. Nous savons que les conséquences auraient été beaucoup plus graves au Luxembourg
si les administrations, les entreprises et surtout si toute la population n'avait pas respecté les mesures du gouvernement rapidement mises en place. En Europe de l'Ouest, nous faisons partie de ceux qui, jusqu'à présent, ont réussi à traverser cette crise en gardant de bons résultats, mais aussi chez nous, il y a des citoyens qui sont décédés ou qui ont souffert en soins intensifs. Les premiers que je voudrais féliciter aujourd'hui, à qui je voudrais dire un grand merci, ce sont nos hôpitaux et nos cliniques avec leurs médecins et leur personnel soignant. Vous avez travaillé dans des conditions extrêmement difficiles et éprouvantes, tout en prenant des risques personnels. Votre conscience professionnelle et votre dévouement sont exemplaires. Comme dans d'autres pays développés, le système de santé luxembourgeois est basé sur de solides connaissances médicales et des expériences pratiques. La plupart des maladies sont connues et pour presque toutes les maladies, il y a une thérapie ou une intervention. À la mi-mars, notre système de santé performant s'est vu confronté au COVID-19. Comme il n'y avait pas de médicaments classiques, la seule solution raisonnable était celle du confinement strict. À Luxembourg aussi, il était évident rapidement que les règles du confinement devaient être appliquées de manière conséquente pour éviter une propagation exponentielle et par conséquent l'effondrement du système de santé. Cette décision de principe a été portée unanimement par la classe politique. Les résidents et les frontaliers ont montré leur soutien en s'engageant de manière exemplaire pour respecter les règles. C'est encore trop tôt pour faire un bilan définitif, mais on peut, en ce jour de la fête nationale, qui exprime notre sentiment d'une appartenance commune, on peut donc souligner quelques points. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Face à la pandémie, le gouvernement et la Chambre des députés ont pris des décisions pour protéger et sauver la vie des gens. Pendant la phase aiguë de la crise, nous avons réussi à ne pas nous diviser sur l'opportunité ou l'envergure des mesures à prendre. Nous avons compris que le Luxembourg n'était pas une île et que la fermeture des frontières n'arrêterait pas le virus. Il fallait rapidement adapter le système de santé à cette situation exceptionnelle. 24 heures sur 24, les cliniques et les hôpitaux ont tout mis en œuvre pour venir en aide aux patients affectés. La population a compris l'urgence de la situation. De nouvelles formes de solidarité et de respect mutuel ont apparu partout dans le pays. Et c'était émouvant de voir tout cela. Nous avons tous tiré des enseignements de cette crise. La solidarité et la cohésion entre tous les Luxembourgeois et tous ceux qui vivent et travaillent dans notre pays, voilà nos meilleurs atouts pendant cette crise. Et j'ai confiance que nous aurons la force nécessaire pour surmonter les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Ensemble, nous pouvons faire face à tous les défis parce que nous disposons de bases solides, des finances publiques saines pour faire face au choc du COVID et pour venir en aide aux secteurs affectés. Une économie compétitive, innovatrice et diversifiée et d'importantes compétences techniques dans le secteur privé et public. Il importe maintenant plus que jamais que les changements qui vont affecter l'économie mondiale, l'économie européenne et aussi l'économie luxembourgeoise soient transposés de manière pragmatique dans notre pays
de manière orientée vers l'avenir et dans le respect des critères sociaux et écologiques. Et ceci dans l'intérêt de tous nos concitoyens. Personne ne devra se sentir abandonné. Personne ne doit être mis hors jeu. On peut s'attendre à ce que certaines solutions trouvées dans l'urgence, des solutions inédites et innovatrices telles que le télétravail, pourraient trouver leur entrée dans l'organisation normale du travail. La crise nous a montré d'autres possibilités de faire et d'avancer dans la vie sociétale, dans l'économie et dans le domaine social. Et ces transitions, il nous faudra les mettre en œuvre en commun et les gérer en commun dans l'intérêt de tous les citoyens. Chers concitoyens, il m'importe également de souligner que sans l'intervention de l'Union européenne, cette pandémie aurait provoqué des conséquences beaucoup plus dramatiques. L'euro a permis une politique de crise vigoureuse de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Surtout, les pays les plus touchés par la crise sanitaire sont soutenus par toute une série de mesures européennes. Ceci, c'est dans l'intérêt de tous les États membres. Il est vrai qu'au début, les gouvernements ont eu des difficultés à se coordonner sur le terrain pour leur stratégie contre le COVID. Mais la valeur ajoutée de l'Union européenne s'est montrée à nouveau. Nous sommes plus forts lorsque nous cherchons des solutions communes. Nous sommes plus efficaces en agissant de façon coordonnée et solidaire au sein de l'Union européenne. Et pour relancer l'économie, on a trouvé des solutions qui rendent optimistes pour l'avenir de l'Union européenne. Le moment est peut-être opportun avec le COVID pour coopérer plus étroitement dans la politique de la santé en Europe. Nous avons tous pu voir comment la nature a pu se régénérer pendant le confinement et nous devons aussi en tirer des enseignements. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour exprimer ma gratitude à tous ceux luxembourgeois ou résidents non luxembourgeois, ainsi qu'à tous les travailleurs frontaliers qui ont contribué, souvent dans des conditions très difficiles, à nous soutenir pendant cette pandémie. Sans eux, sans leur disponibilité, la situation se serait dégradée pour devenir intenable. Je vous en remercie de tout cœur. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour les millions de gens dans le monde qui souffrent directement ou indirectement de cette terrible pandémie, et en particulier à tous ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays développé comme le nôtre et qui ont souvent perdu tous leurs moyens de subsistance. On leur doit notre solidarité. J'aimerais conclure sur une remarque personnelle. La Grande-Duchesse et moi-même, nous sommes devenus à nouveau grands-parents. Le prince Charles, un de ses enfants nés au Grand-Duché pendant la période du COVID, représente tout le bonheur du monde pour ses parents, le prince Guillaume et la princesse Stéphanie. Les Luxembourgeois ont immédiatement accueilli notre petit-fils dans leur cœur. Cela nous a profondément touchés. Avec la Grande-Duchesse et notre famille, je souhaite à tous, malgré la crise du COVID, une joyeuse fête nationale. Vive le Luxembourg, vive l'Europe. Thank you.
Monseigneur, je vous demande.